Et donc, euh, sur le PP, on a notre rencontre maintenant, rencontre d'auteur avec euh, Yann Lespous, du coup, parce que je ne je, je vais pas prononcer le X encore une fois, avec euh, qui nous présente déjà deux livres pour ce salon, Presqu'il et Pour mourir le monde. Et je vais commencer par demander à Yann de se présenter un petit peu. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie en parallèle de ta, de ta carrière d'auteur, déjà et, euh... <laughs> ok. Et euh, eh bien, euh, moi, mon, euh, mon vrai métier, c'est... Euh, je suis enseignant-chercheur en civilisation occitane à l'université de Montpellier. Donc, euh, j'enseigne je, l'histoire de l'espace occitan pour euh, les étudiants d'occitan. Et donc, euh, j'enseigne en occitan. D'accord. Ok. Et euh, voilà. Et euh, je travaille. Après, je suis historien donc de formation, et je travaille sur l'histoire des euh, du mouvement de Renaissance euh, culturelle et sur la revendication culturelle et politique euh, occitane au XXe siècle. D'accord. C'est. Euh... <laughs> Il y, y a du matériel. <laughs> oui, il y, y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors, comment, comment tu en es arrivé à sortir euh, ces deux livres Qu'est-ce qui qu t'a euh, fait sauter le pas de vouloir, euh, vouloir produire euh, ces livres et les faire paraître Alors, euh, ça a commencé avec Preskill, euh, totalement par hasard, en, en fait. j'avais pas euh, spécialement euh, de projet d'écriture au départ. Et c'est euh, vraiment le hasard qui a fait les choses. J'avais euh, un jour, je suis rentré chez moi euh, dans le Médoc et ça faisait longtemps que j'étais pas passé. Je suis allé chez mes parents et puis euh, vous savez comment ça se passe quand vous rentrez chez vous, que vous n'êtes pas allé depuis longtemps, vous demandez qui est mort depuis la dernière fois que je suis venu et, euh, et donc on a commencé à évoquer euh, ça et puis des souvenirs et à parler euh, d'un voisin qui avait une histoire un peu originale et j'avais fait un petit statut Facebook. Et euh, le lendemain, j'ai reçu un, un message d'une éditrice qui s'appelle Caroline Bokanowski, des Éditions des Équateurs, qui m'a dit bah, euh, J'ai lu ce que vous avez écrit sur Facebook, là, et euh, ça m'a bien plu. Si vous avez d'autres choses, dites-le moi. Donc, j'ai rien d'autre. Hein, euh, c'est fou, quand même. Oh, oui, bah, c'est euh, le hasard, vraiment. Et, euh, et j'en ai discuté avec euh, Hervé Lecor, qui est un auteur de romans noirs avec qui je fais des animations. Euh, dans une euh, librairie bordelaise qui s'appelle La Machine à lire. Et euh, Hervé me dit, ah, bah, tiens, fais-moi lire ça. Et puis il me dit, ah, bah, c'est euh, pas mal, tu devrais en écrire d'autres. En fait. Et puis, euh, ça faisait un moment, avec Hervé, on avait euh, un peu cette, euh, une réflexion, on aime tous les deux euh, les, euh, les auteurs américains, et en particulier du Sud. Et euh, Larry Brown, Chris O'Foot, ce genre d'auteurs-là, qui écrivent des nouvelles sur euh, des gens... Euh, sur le quotidien des, euh, voilà, des rednecks. Et ça faisait un moment qu'on se disait, on avait souvent cette discussion, de se dire ouais, on trouve ça en France, tout le monde trouve ça super exotique de parler des rednecks euh, des États-Unis, mais en fait, euh, bah, chez nous, c'est pareil. En fait, notre quotidien est, est pas qu si différent tribunaux. quand on est dans une périphérie. Et euh, comment ça serait reçu Est-ce qu'on dirait, est-ce qu'on trouverait ça exotique aussi, ou est-ce qu'on dirait juste bah, c'est l'histoire de plouc de chez nous, ça ne nous intéresse pas et, euh, et donc on a commencé, j'ai commencé à réfléchir à ça, et puis j'ai écrit une nouvelle, deux nouvelles, trois nouvelles, et, euh, et c'est parti comme ça en fait. Puis après je les ai envoyées quand j'en ai eu un certain nombre à Caroline Bokanowski, qui m'a dit c'est super mais n'édite pas de nouvelles. Euh, c'est mignon. Et puis, euh, donc voilà, après j'en ai parlé avec, euh, avec Sébastien Vespizère des éditions Aigulo, et puis c'est parti comme ça. Ah, d'accord, d'accord. Euh, du coup, euh, dans, dans ces pages, on a pas mal de nouvelles euh, qui parlent de plein, plein, plein de choses différentes. Bon, toujours au Médoc, de toute façon, c'est un peu, bah, du coup, l'un pro, des protagonistes, au final, mmh. c'est peut-être même le seul fil rouge du, du récit. Mmh. Et euh, avec, euh, avec euh, comme tu le disais, un petit côté euh, parfois. Euh, euh, brutal dans les, dans les chutes, hein, ça reste des nouvelles, hein, de toute façon c'est dans, dans la construction. Et euh, du coup j'ai je je, 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 deux nouvelles qui me reviennent. Celle avec celui qui ne veut pas avoir un surnom un petit peu trop dégradant et, euh, et qui finit par, euh, par énoncer un petit peu toutes les personnes qui ont des surnoms dans, 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 dans la ville et qui euh, à la fin le texte finit par révéler le surnom qui lui est attribué. Et, euh, et c'est assez, euh, assez tendre et drôle ce passage-là. Comment, comment ça t'est arrivé de Qu'est-ce qui t'a fait euh, penser à l'écriture de, ce, de cette nouvelle euh, Parce que les, les surnoms, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout et qui est très emblématique d'un lieu et de la manière dont les gens vivent ensemble. Excuse-moi. Et, <coughs> Excuse -moi. et, euh... et euh, ouais, je me suis dit euh, le surnom, c'est quelque chose de bizarre. <coughs> Des fois. On se retrouve avec un surnom, on sait pas comment, ou alors on n'en a pas, euh, ouais, et euh, c'est rarement super flatteur pour ça, celui un qui qu le reçoit, sûr, hein, éducteur. Euh, <laughs> mais euh, mais c'est souvent euh, amusant, et puis il y a des gens qu'on finit par ne connaître que sous leur surnom. Et on sait quand, euh, c'est généralement quand ils meurent, j'y reviens, que on, on s'aperçoit qu'ils avaient un vrai prénom et un nom de famille, mais euh, et je trouve que c'est assez emblématique de, de la manière dont les gens vivent. Euh, en société, donc euh, voilà, j'avais envie de faire quelque chose là-dessus. Là bah c'est ça qui rend ça comique et tendre, hein, parce que c'est on s'y reconnaît tous. Moi, je sais que je ne révélerai pas ça ici, mais sûrement que je traîne depuis le lycée qui m'a jamais quitté. Et euh, c'est vrai que au final, ça arrive, euh, ça arrive partout, autour, de, autour du monde, cette, euh, cette mécanique au final euh, sociale. Et il euh, y a une autre, une autre histoire que j'ai appréciée euh, tout particulièrement par sa chute où j'étais un petit peu en mode Mais euh, qu qui s'est basé, euh, avec euh, donc un monsieur qui se fait euh, cambrioler du coup. Assez, qui a eu euh, un antécédent de cambriolage et qui du coup se prépare à, à être à nouveau cambriolé. Donc il reste dans son magasin le soir euh, au cas où euh, il arrive quelque chose. Et du coup il rencontre deux, euh, deux cambrioleurs. Et il se passe quelque chose que je ne révélerai pas ici pour vous laisser quand même le plaisir de découvrir ça euh, par vous-même. Et euh, pareil, comment comment est né euh, la, ce récit Qu'est-ce qui il a été inspiré de plusieurs euh, de plusieurs histoires vraies en fait. D'accord, ok. Voilà. Attends, vrai, c'est-à-dire que la, la finalité le truc. Euh... Alors la chute est, est, est inventée, mais ouais, après, ouais. Euh, on va dire les péripéties euh, sont euh, sont vraiment inspirées de d'histoires vraies, notamment une qui devrait toucher euh, particulièrement marin, euh, qui était, euh, je me quelqu'un qui euh, qui avait une propriété sur laquelle il avait des cèpes qui poussaient les champignons et. Euh, et euh, il en avait marre que les gens viennent lui piquer ses cèpes. Et un jour, il a fini par trouver euh, le type qui venait lui piquer ses cèpes. Et il l'a il embarqué et il l'a attaché à un arbre. Ah. Et, euh, et il a appelé les gendarmes deux jours plus tard pour qu'ils aillent le détacher. Pour qu'ils euh. retiennent la leçon, quoi, du coup. <laughs> c'était pour qu'ils retiennent bien <laughs> la leçon, quoi. Oui, 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 voilà. Et en fait, l'histoire bah, presque, c'est euh, tout ça. Euh, L'idée, c'était vraiment de parler de la manière dont on vit en société, euh, dans un endroit qui est euh, très touristique, en fait. monde euh, pendant, Dans lequel il y a du monde pendant l'été, pendant, pendant 3-4 mois. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, euh, en fait, il y a des gens qui vivent là tout le temps. Et qui sont ça. là l'hiver. Et c'est comment. Comment on vit euh, dans, ce, dans une société comme ça, euh, un peu renfermée sur elle-même, sur elle euh, dans la périphérie, quand il n'y a plus personne, quand on est juste entre nous et quand on est juste avec, avec soi-même aussi bah, C'est une thématique qui est récurrente euh, par le biais de quelque chose qui m'a autant amusé aussi, c'est le, les gens qui viennent de l'extérieur, qui s'installent et qui n'arrivent jamais à réellement s'intégrer parce qu'ils bah, sont, euh, sont réduits à l'endroit d'origine d'où ils viennent, même ceux qui ont des parents qui de là et euh, <laughs> ça aussi c'était c'est quelque chose que tu que tu cites souvent dans, dans, oui, dans bah, les nouvelles bah, parce qu'en fait c'est aussi euh, je pense euh, un des thèmes euh, du euh, du recueil c'est de savoir qui on est d'où on est euh, est-ce que on est assigné euh, vraiment à une identité euh, parce qu'on est né quelque part ou est-ce qu'on se la construit aussi quand on vient euh, s'installer volontairement ça parle des gens qui veulent venir euh, et qui euh, peuvent avoir des difficultés à s'intégrer. Ça parle des gens qui sont là parce qu'ils ont décidé de toujours rester là, de ceux qui sont là parce qu'ils n'ont jamais pu partir aussi, euh, de ceux qui sont partis et qui veulent revenir. Voilà, c'était euh, parce que bien sûr c'est des questions qui me, euh, qui m'intéressent aussi. Parce que moi j'ai grandi, j'ai grandi là jusqu'à la vingtaine et puis après je suis parti et puis maintenant quand je reviens j'ai parfois du mal à, à me situer. Ouais. Euh, donc, c'était euh, voilà, quelque chose euh, qui m'intéressait et qui n'est pas propre au Médoc. Euh, oui, bien, sûr, fait, bien euh, sûr. Dans Presqu'île, il y a un cadre qui est, euh, qui est le Médoc où je suis né, où j'ai grandi. Mais en fait, c'est adaptable, à, je pense, à une multitude d'endroits dans le monde et de périphérie ou de côté euh, insulaire, bien sûr. Bien sûr. Bah pour un euh, petit exemple, c'est par exemple quelque chose que j'ai ressenti moi quand je suis retourné dans le pays de mon père, donc la Martinique, où l'intégration était très compliquée, parce que bah, là-bas, en fait, quand on vient de France et que on est né là-bas de parents entiers, on s'appelle des Négropolitains et euh, du coup, l'intégration est très difficile. Donc j'ai vraiment, ça, c est, c est, je pense que c'est ça aussi qui a fait résonner un petit peu ces récits. À, avec, avec moi, c'était le fait qu'il y avait une vraie similitude dans, dans ce rapport-là. Euh, quand, quand tu retournes dans, dans un pays qui est censé être quand même un peu chez toi aussi, et qu'on bah, ne veut rien entendre là-dessus. <laughs> Il y a aussi euh, une, une des nouvelles qui est pleine de tendresse, euh, c'est celle euh, du concert au lac. <laughs> Est-ce qu'il y a un petit peu de vrai Est-ce qu'il y a un petit peu de, de Yann dans, dans, dans ces jeunes qui vont essayer d'aller voir ce prétendu concert d'un groupe connu Oui, ouais, c'est le concert d'époque. Il, 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 ouais. euh, il a vraiment eu lieu ce concert. Il a vraiment eu lieu en plus. Après, j'ai brodé un peu autour, mais il a vraiment eu lieu. C'était un truc. Il euh, faut imaginer euh, Carcan. Euh, c'est euh, un tout petit village euh, de la côte atlantique. C'est vraiment dans, entre les marais euh, et l'océan. Il euh, n'y a pas grand monde. Et. Euh, vers euh, 1995-96, il y a quelqu'un au Conseil Général qui a décidé de faire venir les POGS ici <laughs> au mois de juin. C'est à un moment où il n'y a même pas encore les touristes. Et, et, et ils sont venus. Et, euh, et c'était vraiment euh, bizarre. Qu'est-ce qu qu'ils foutaient là <laughs> C'est euh... ce que les, persos, les personnages ouais. se demandent hein, dans, le, dans la nouvelle. Euh, mm. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Enfin, et et, et, euh, et, et c'est euh, très marrant. Moi, c'est un, un souvenir très vif. Et avec euh, les copains avec qui je suis allé, c'est un souvenir assez vif. Alors, mais euh, comme les Pogs, c'est pas non plus. Alors, c'est un groupe qui, est, qui a été très très connu dans les années 80, mais déjà dans les années 90, c'était oui. vraiment à la fin et, euh, pour eux. Et en fait, il y a plein de gens qui se rappellent même pas que les Pogs sont venus. C'est vraiment un concert. Euh, c'est une espèce de. Il y a des de moments, Pesque. je me suis demandé si j'avais pas rêvé, mais il y a d'autres gens qui m'en ont reparlé. Donc, euh... Vous êtes plusieurs à avoir ouais. rêvé, peut-être. C'est hein peut un rêve collectif, qui sait <laughs> Et ça me permet une petite transition, du coup, j'ai un glissement vers l'autre euh, livre, Pour Mourir le Monde, puisque cela qui est présent aussi dedans, on euh, ne mmh. révèle pas ouais. dans quel contexte. Et euh, du coup, Pour Mourir le Monde, qui est quand même un, un récit euh, bien différent hein, de hein, C'est déjà c'est un, un récit d'aventure complet, euh, plutôt bi documenté aussi, je pense, hein, puisqu'il y a quand même des éléments d'histoire euh, réelle dedans, même si c'est une fiction. Ouais. Et donc, euh, comment est né le projet de Pour Mourir le Monde, qui est un récit d'aventure fantastique, je vous le conseille fortement. <laughs> euh, pour mourir le monde, c'est parti. Euh, bah, ça revient on revient toujours sur les, sur les mêmes choses, sur mes, euh, mes propres obsessions, c'est-à-dire le médoc. Ouais. Et c'est euh, un lien avec mon travail. En fait, dans le cadre de mon euh, travail, je devais intervenir dans un colloque sur les euh, ethnotypes, donc les stéréotypes rattachés à une population. Et je devais euh, faire une, euh, une, une intervention sur euh, l'ethnotype du médoquin. Voilà. Qui. Euh, à travers l'histoire, dont euh, médocain, euh, violent, euh, alcoolique. Euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, si vous demandez à Bordeaux euh, ce que c'est un médocain, euh, un médocain pour le Bordelais, euh, c'est quelqu'un qui euh, va chasser le sanglier à main nue et qui revient chez lui pour se saouler avant de violer ses enfants. Ouais. Et, euh, ah ouais, c'est. <laughs> et donc je me disais, mais, euh, voilà, d'où euh, d'où vient ce stéréotype et Donc j'ai euh, fait des recherches euh, pour remonter au fil du temps les stéréotypes euh, rattachés au au Médocin et je suis tombé sur des textes d'un de, cartographe qui s'appelait Claude Masse, qui était cartographe pour Louis XIV et qui a cartographié toute la côte atlantique entre La Rochelle et Bayonne en gros. Et euh, il expliquait aussi un peu d'ethnologie. Et donc euh, pour chaque carré de carte, il y, y avait euh, tout un... Un tas d'explications sur la population des lieux. Et donc, on s'apercevait que déjà les médocains, à l'époque, étaient considérés comme euh, plus euh, sauvages et barbares que les pires tartares. Donc, euh, et euh, Maas explique notamment qu'il ne faut jamais leur tourner le dos quand ils ont une hache à la main. Euh, et euh, et j'ai regardé donc mon village, et puis là, j'ai vu une mention euh, sur la, la carte d'un naufrage, il y avait écrit euh, truc au but de la caraque, c'est-à-dire la dune de, de la caraque, et euh, ici euh, s'est échouée une flotte portugaise euh, avec d'immenses richesses et un prince, et, euh, euh, et ces gens furent massacrés par les habitants. Voilà, et donc ça, ça a éveillé ma curiosité, j'ai cherché un peu, je me suis aperçu que ce euh, naufrage avait vraiment eu lieu en 1627, que ça a été en fait une catastrophe nationale pour le Portugal. C'était une flotte euh, portugaise qui s'est euh, échouée là après avoir été prise dans une tempête durant des semaines dans le golfe de Gascogne. Et il y avait des bateaux qui revenaient de Goa en Inde, chargés euh, notamment de poivre, qui était. Euh, euh, L'épice qui était euh, le monopole du roi du Portugal à cette époque-là. Et euh, une, ils étaient accompagnés de galions qui les avaient rejoints dans l'Atlantique, qui revenaient eux de Salvador de Bahia, qui, avaient, euh, qui venaient de reprendre aux Hollandais. Et, euh, et donc, euh, et ça a été un naufrage immense. Ces bateaux se sont échoués entre Saint-Jean-de-Luz euh, et le Médoc. Et donc, les Portugais ont perdu à la fois tout le revenu euh, du poivre qui revenait de Goa cette année-là ce qui représentait une très très grande partie du budget du royaume, ils ont perdu l'intégralité de leur flotte militaire et il y a eu entre 2000 et 2500 morts dont une grande partie euh, était constituée par la noblesse espagnole qui faisait son service euh, dans la marine à cette époque-là donc ils ont perdu euh, leur noblesse euh, en grande partie euh, une grande partie de leur budget et toute leur flotte militaire donc ça a vraiment été une catastrophe nationale au Portugal. Mais euh, étonnamment, c'est resté euh, un peu anecdotique dans les, les livres d'histoire. Il y a des gens qui ont, euh, qui ont travaillé un peu là-dessus. Et je me suis dit voilà, qu'il y avait quelque chose de très, très romanesque euh, là-dedans. Et euh, puis moi, ça m'intéressait, parce que ça me ramenait encore dans le Médoc, finalement, même en, en partant de très loin. Et, euh, et donc, voilà, je me suis dit qu'il y avait la possibilité d'insérer euh, le récit dans les interstices de l'histoire. Parce qu'on euh, a quand même des tas de blancs. On sait comment s'est passé le naufrage en lui-même, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant. On ne connaît pas toutes les motivations euh, qui ont poussé les, ces gens euh, à partir euh, de La Corogne, où ils étaient cantonnés pendant un moment, pour finalement s'échouer. Et, euh, et donc voilà, je me suis dit qu'il euh, y avait de quoi faire euh, du point de vue romanesque, et, euh, et donc je me suis engagé là-dedans. Ok, du coup euh, justement, euh, comment s'est passé le, le choix de narration, puisqu'au final c'est le récit imbriqué de trois grands personnages, même si on en, on en a quand même d'autres qu'on suit euh, au fil des pages. Euh, comment comment s'est passé, euh, ça n'a pas été trop compliqué de mettre, de mettre en page euh, tous ces destins qui se croisent à travers le, le temps et l'espace aussi, hein, et, euh, et se passer... Euh... Alors, non en enfin, mais euh, c'est compliqué techniquement à certains moments quand on se lance euh, dans ce genre de récit puisqu'on on a une alternance de, de points de vue c'est-à-dire on, on suit il euh, y a trois personnages principaux il y a donc Fernando qui est un, un, un soldat portugais qui a été enrôlé de force euh, à l'adolescence pour euh, être envoyé euh, à Goa pour euh, pour servir dans les garnisons portugaises qui étaient là-bas et qui va devenir un renégat. Il y a Diogo, qui est un orphelin à Salvador de Bahia, qui, après la prise de Salvador par les Hollandais, se réfugie dans un village d'indiens de Tupinamba, convertis au christianisme par les jésuites. Et on a Marie, qui est une jeune femme, qui a voulu partir du, du Médoc, aller à à Bordeaux pour essayer de trouver une vie meilleure, ça s'est très mal passé. Et elle a été obligée plutôt. de revenir et de se réfugier dans un camp de, de pilleurs d'épave, dans les dunes, qui était une espèce de désert de l'époque, avec des gens qui, qui vivaient de ce qui tombait sur la plage, vraiment. Et, et donc elle va se retrouver là et confrontée à son oncle, qui est un homme violent. Et puis, bien entendu, ces trois destins vont, devoir, vont se retrouver à un moment. Et euh, alors, oui, quand on a cette alternance de point de vue, c'est un, un peu compliqué euh, au départ. Mais après, on Ça essaie de trouver des. On par voilà. prendre le pli. Ouais. Donc, on alterne à chaque fois un chapitre avec Fernando, un chapitre avec Diogo, on avance un autre avec Marie, on avance dans le temps. Euh, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'avais commencé à les, à les écrire. Dans cet ordre-là, en alternant, Puis je me suis très très vite euh, aperçu que ça serait compliqué parce qu'il faut changer un peu de voix à chaque fois, faut euh, changer de d'univers aussi, Goa, Go Salvador ça. de Bayal, mais donc c'est pas pareil. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est euh, que finalement, j'ai écrit euh, chaque euh, histoire dans son intégralité et après voilà. j'ai imbriqué mais euh, as okay, es inséré enfin, dans le voilà. temps euh, voilà. pour créer une chronologie. Euh... Mm. Oh, C'est brillamment fait pour le coup, hein, pour bah, l'avoir euh... lu et euh, avoir euh, adoré d'ailleurs, hein, donc euh, je ne le répéterai jamais assez, euh, le résultat est brillant. Jusqu'à ce que euh, justement les choses se précipitent. Mmh. Quand les choses se précipitent, la narration s'accélère et euh, du coup les récits s'imbriquent un peu plus mmh. dans, dans les chapitres. Même cette partie, c'était récit par récit, et après tu les as... Ah non, non, après quand ils se retrouvent voilà, tous, ça y est, euh, quand même là tous, euh... j'ai suivi le fil. Et après l'idée effectivement dans l'écriture, c'était d'avoir des choses... À comme on commence avec des grands récits de voyage, où il y a des, euh, sur la route des Indes, avec, euh, avec aussi des batailles navales, des choses comme ça, d'avoir une écriture ample euh, sur toute cette première partie, et euh, d'avoir après des, des phrases qui se raccourcissent, et un rythme qui s'accélère, c'est-à-dire une écriture différente au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, euh, jusqu'à jusqu la fin, pour que euh, voilà qui est vraiment un rythme dans, dans la langue, dans l'écriture qui accélère en même temps que le récit euh, s'accélère. Et ça se ressent, euh, ça se ressent brillamment. Hein. C'est très haletant. La dernière portion de, du livre, et, euh, bah, tu, sincèrement, est les pages s'enchaînent à, à une vitesse folle. Euh, comme tu le disais au niveau du, des batailles navales, toutes les descriptions sont brillantes. Et il y a la rupture aussi avec Marie, qui a un destin quand même un peu, plus, un peu moins extraordinaire à la base que les autres. Moi, personnellement, ça reste mon personnage préféré, c'est assez, euh, assez euh, antithétique, c'est celle que je trouve le, le, le plus intéressant à, la plus intéressante à suivre, même si en deuxième position, Fernando a aussi mmh. une évolution euh, très. Euh, bah, euh, Marie, elle est. Euh, euh, <laughs> Marie, je me suis aperçu assez vite. Au début, je pensais que ça allait être Fernando, mon personnage principal, c'est le premier que j'ai okay. euh, inventé, auquel j'ai pensé. Et je me suis aperçu très très vite que en fait c'était Marie, euh, le personnage principal qui est l'espèce de, de pivot de, de tout ça. Et effectivement, en fait son destin, euh, si, il est extraordinaire. Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est en fait... juste que euh, alors que les autres personnages euh, vont euh, voguer à travers le monde, ça. Et elle c'est le monde qui vient à elle. C'est ça, c'est ça. Et c'est une espèce d'aimant, euh, Marie qui est là. Et, euh, et qui est euh, certainement celle qui est la plus déterminée en, en, en fin de compte. Clairement, clairement. Ben, merci Yann. Je vais quand même laisser du coup la parole au public, laisser un petit moment pour l'interaction avec Yann, si vous le désirez. Donc est-ce qu'il est qu y a des questions Si, euh, si vous voulez poursuivre l'échange, euh, partir à la connaissance aussi de l'univers de Yann, que ce soit professionnel ou littéraire. Non Personne Il n'y a pas de micro ah, S'il si, y a un micro juste derrière toi, euh, Christian. Moi, ce n'est pas, pas une, une question. Euh, euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, Yann euh, dans un très beau festival à Pau. Et euh, j'avais lu Presqu'île et j'avais eu une, une discussion avec Sébastien Vifizer, qui est l'éditeur d'Agulo. Et Presqu'île, elle est pile dans le thème du salon. Donc, c'est tout naturellement qu'on qu a invité Yann. Et derrière. Euh, euh, puisque euh, Pour Mourir le Monde est sorti en rentrée littéraire 2023, donc il vient de, il vient de sortir. Euh, et euh, Yann, ou Sébastien, a la gentille idée de me l'envoyer. Moi, c'est un livre, je l'ai déjà euh, dit à Yann, qui m'a transporté, qui m'a embarqué, parce que c'est quand même une histoire Vraiment. de bateau. Euh, et et euh, je avais parlé à Guy qui, qui a eu le même effet. Je crois que tous les gens qui ont approché ce bouquin ont eu la même impression. Donc c'est pour moi probablement un des grands livres de, de, de cette rentrée littéraire. Euh, et après euh, il faut surtout pas imaginer qu'il y a trois personnages en oui, oui, parce que bien sûr. et euh, là on parlait de ses petites préférences qui est quelque chose de très intime. Moi la mienne elle va vers l'oncle, hein, euh, <laughs> l'oncle de Marie. Euh, Louis, moi j'ai trouvé que c'était un personnage. Ouais, Louis, qui est, qui est remarquable. Et, et c'est sans doute la, la grande force de, de ce texte, c'est que les personnages sont campés euh, et ont tous une, une singularité, une, euh, une histoire souvent souvent violente. Mais enfin ça, visiblement, c'est le, le coin qui veut ça. Euh, ça. Et, et en plus de l'épopée incroyable euh, et de territoire en territoire, parce que c'est un livre qui colle exactement dans, dans le thème également. Donc voilà, moi, je voulais juste te, te remercier et m'excuser auprès... Du public, parce que je crois qu'il ne reste que très peu d'exemplaires. Parce que le bruit a couru que ce pourrait être un bon livre et beaucoup de gens euh, se sont précipités dessus. Voilà, donc euh, merci, euh, merci Yann pour ce texte qui, à mon avis, est un texte d'une grande qualité. Ouais, merci à toi. Et euh, alors, effectivement, il y a, y a trois personnages principaux, mais il y, y a tout autour toute une galaxie de personnages que j'ai voulu. Euh, que voulu, dont j'ai voulu qu'il soit aussi euh, incarné. Alors Louis en fait partie, il euh, y a Ignacio aussi par exemple, ou euh, Sima, ou le compagnon euh, de, de Fernando. Mais, euh, et alors pour le Médoc, il euh, y a quand même quelque chose aussi qui m'intéressait beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherches pour le livre. Euh, nécessairement euh, ça nécessitait de euh, savoir comment euh, comment on vivait à Goa euh, au XVIIe siècle, comment on vivait à Salvador de Bahia, qu'est-ce que c'était la route des Indes, qu'est-ce qui pouvait motiver des gens à partir sur des bateaux de 50 mètres où ils sont à 1000 personnes, en sachant que euh, à l'arrivée, quand ils arrivaient, euh, il y en aurait à peu près un tiers qui seraient morts. Euh, c'était six mois sans escale, euh, au minimum, s'ils ne se trompaient pas de route. Euh, il y avait tout ça. Et donc, euh, je me suis beaucoup documenté. Sur le Médoc, je connaissais beaucoup plus euh, de choses. Et donc, je me suis senti un peu plus libre. Et ce que j'ai voulu faire euh, dans le Médoc, c'est rester crédible, mais euh, me détacher euh, un petit peu, euh, peut-être laisser plus encore de place à l'imagination. Et j'ai voulu faire un western. Et Louis, c'était... Euh, je voulais que ça soit le, le tenancier de saloon euh, méchant à euh, la brute. Hein, euh, la brute, et puis euh, voilà, c'est juste qu'après les, les personnages qui sont là, au lieu d'avoir des coltes et euh, de garder des vaches, ils ont des haches et des moutons. Quoi. Et, euh, et Je voulais vraiment que ça soit un, un western. Ouais. Et des couteaux, des fois, qui cachent les qui couteaux. Bien ouais. Oui. Bah, D'ailleurs, je ne rentre pas dans les détails pour pas spoiler, mais il y a un truc aussi avec Ignacio et euh, quand il arrive au Médoc, avec euh, l'analogie avec ce que tu disais sur la sauvagerie du Médoc. Il ouais. y a tout un truc euh, avec, avec ça qui est, qui est plutôt. Euh plutôt drôle. Mais bon, faut aller le lire, faut aller le lire, aller chercher les derniers exemplaires. Je pense que je fais partie des gens qui ont motivé à ce qu'il y en ait moins. Je m'en excuse auprès de tous les gens qui vont vouloir l'acheter maintenant. Mais voilà. Donc merci, merci à toi, Yann. Est-ce que quelqu'un voudrait reposer une question encore ou je laisse à Yann le mot de la fin Non, ça va. Ah vas-y encore. Vas-y, Christian. Pour le coup, c'est une question. Euh, tu travailles sur un, un, un autre livre ou pour oui, l'instant tu, tu digères euh... Cet énorme euh, livre. C'était un Mais long travail, euh, j'imagine, en plus. Oui, ça a été un long travail. Ça a été trois ans, euh, à peu près, pour, pour l'écrire. Et donc, là, en ce moment, euh... ouais, ouais, en ce moment bah, déjà, je, je tourne pas mal pour le livre, effectivement. Puis, j'ai un, un travail pour lequel il faut aussi que, euh, que je travaille. Hein. Euh, j'ai des articles à écrire, des choses comme ça. Mais, euh, et donc, je n'ai pas encore idée de ce que je vais faire après. Mais, euh, on verra. C'est ouais. à nous d'en faire un best-seller pour qu'il ait moins à travailler, vous comprenez? Une autre, autre question avant de passer à la, la parole à Loïc. Euh, tu as une activité également de, de, de blogueur, tu peux en parler un petit peu? Alors j'ai une activité de blogueur alors, qui est un peu moins régulière ces derniers temps, euh, pour le coup. Effectivement, j'ai un, un blog qui s'appelle Encore du Noir, qui est consacré donc à la littérature noire, comme son nom euh, l'indique. Et. Euh, dans lequel j'essaie de, de partager euh, mes lectures et, euh, et mes coups de cœur euh, euh, littéraires en essayant de faire des analyses un petit peu, euh, un petit peu poussées, on va dire. Voilà. Alors c'est pas pas une question juste, une petite information. Je voudrais euh, dire que ce, cet ouvrage fait partie de la pré la présélection du prix Jean de Mer et ton Envoyageur. Euh, c'est le premier qu'on a choisi dans la présélection. En tant que secrétaire du jury, il est évident que je ne pourrais pas dire quoi que ce soit pour l'instant. Bon, enfin, s'il avait été mauvais, on l'aurait pas choisi. Ça. <laughs> Merci. Bah, du coup, euh, à moins qu'il y ait encore une question. Non, encore une question J'ai encore le temps pour une dernière question si vous le désirez. Bah, je vais te laisser le mot de la fin. Euh, bah, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu voudrais nous dire déjà Qu'est-ce que tu bah, penses voudrais, de ce voyage Je ici voudrais déjà vous dire merci. Merci euh, à, à toi. Voilà. Bah, merci euh, d'avoir lu, <laughs> d'avoir euh, posé des questions euh, le dimanche après euh, <laughs> toutes. Euh, Alors, je t'avoue euh, que je puisse dans les réserves. Hein, ouais, ouais, en voilà. vrai, je suis en mode zombie. Là. Merci, euh, voilà, merci pour l'invitation. Merci pour euh, l'accueil formidable ici. Vraiment. Euh, euh, moi, quand j'ai écrit ce, euh, ce roman, euh, j'ai commencé à l'écrire au tout début du confinement, en okay. fait. Donc pendant euh, mon confinement, j'étais chez moi et, euh, et je voyageais à Goa et à Salvador de Bahia. C'était un bon moyen de passer le. Euh, euh, voilà. Et dessus. puis ne euh, je me doutais pas à ce moment-là que ça m'amènerait de l'autre côté du monde euh, quelques années plus tard. Que la vie est bien et, faite. Voilà. Euh, et donc euh, merci, merci encore à tous. Et merci à toi, c'est totalement mérité, c'est fantastique. Et les deux, et attendez, on, pas, on parle de pour mourir le monde, mais presque, il vaut totalement le coup aussi, donc n'hésitez pas à vous à rajouter à votre bibliothèque ces deux livres. Merci encore, Yann, pour euh, cet échange, très plaisant, et euh, je te laisse vaguer à tes occupations. Merci. Voguer même à tes occupations.